Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur Dieu, Jésus, ce matin, nous présente trois choses extraordinaires dans sa transfiguration. La bonté, la beauté et la vérité de Dieu. Il voulait raffermir la foi des disciples. Il prend avec lui trois Jacques, Jean et Pierre. Et nous voyons, cela nous rappelle la manifestation trinitaire dans son baptême. Jean-Baptiste t'es plongé Jésus dans Jourdain ou t'es baptisé lui. L'Esprit Saint t'est manifesté en forme de colombe, lui posé sur Jésus et gayon voix qui parlait, c'est voix papa qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Et nous voyons dans la transfiguration Jésus qui montait dans mon nom pour lui capable la prière. Et il montrait nous l'importance la prière. Si ou pas la prière, ou pas capable de transfigurer, ou pas capable de changer attitude. La prière, c'est un point de rencontre avec mon Dieu. L'important, mes frères et sœurs, la prière. Et dans la prière, il y a des diverses rencontres que vous êtes capable de faire. Et Jésus t'est rencontré avec Moïse et avec Élie, deux anciens prophètes. Ils ont parlé, mais personne ne connaît qui ça a dit. Mais seul ça, disciples, ils ont manifestation que Jésus t'est changé complètement. Et ça nous rappelle Moïse, l'elle t'est rencontrée avec bon Dieu pendant elle t'est recevoir les 10 commandements. L'elle retournait devant peuple là, figure Moïse t'est changé complètement. La rencontre avec bon Dieu, l'humain visage, l'humain cœur, l'humain âme, il ouvrit route pour vous. Et c'est ça qui est important chaque jour dans la vie, nous, pour nous capables de chercher, rencontrer avec bon Dieu. Youn bagay que nous devons connaître, mes frères, mes sœurs, Jésus raffermit la foi des plus faibles. Et les pierres, ouais, bagay ça. Il est tellement étonné en nous bâti trois tentes. Une pour vous, une pour Moïse, une pour Élie. Il est bon que nous soyons ici. Côté bon Dieu, c'est belle bagaille. Grand pile monde qui t'a aimé aller aux États-Unis. Grand pile monde qui t'a aimé aller au Canada. Grand pile monde qui t'a remis aller en France pour qui ça? Pour belle bagaille que y a regardé dans la télévision. M'ta remis visiter pays ça. M'ta remis visiter pour me rester là-dedans. Ou a grand pile haïtien calé États-Unis qui gon visa pour 5 ans mais il perdu visa pour le capable aller rester dans pays blanc.
Blanc bon visa pour 5 ans, l'elle finit la renouveler. Moun nan aller, li fait un seul aller et puis li perdu visa. Li vin illégal dans pays eh ben blanc et là pour le capable entrer dans pays, s'il gen mal à l'entrée, li pa ka tourner encore. Faut que l'illégal avant le tourner dans pays. Il est bon que nous soyons ici. En nous bâti trois tentes, yon pour vous, yon pour Moïse, yon pour Élie. Nous pas tourner encore en bas. C'est ça Pierre dit. Moi pas tourner en bas encore, en nous résider là. Parce que la belle. Si États-Unis belle comme ça, si la France belle comme ça, et pays côté bon Dieu roi. Li pi belle passe toute bagaille. Et c'est ça, nous toujours qu'on a chanté. Bon Dieu dans le ciel, pi belle passe tout ça qui belle. Bon Dieu dans le ciel, pi bon passe tout ça qui bon. À la jouissance, na joine dans li, si nous fidèles, encouragés chrétiens, yo, na trouvé repos dans le ciel. Y'a pile monde qui t'a remé dans le ciel. Mais pour aller dans le ciel, faut mourir. C'est pas vrai? Pas arrêté comme ça pour éclater pour être dans le ciel là. C'est un passage obligé. Mais est-ce qu'on travaille pour être dans le ciel? Oui, Jésus montre nous, mais qui s'accapte en nous? Après tout effort qu'on fait chaque matin pour venir à l'église, après tout effort qu'on fait, sacrifice qu'on fait pour quitter une série de bagailles, pour capable changer conduite. Mais qui s'accapte en nous? La vie éternelle, la bonté, la beauté et la vérité de Dieu. C'est ça qui fait dire, je suis le chemin. Nul ne va vers le Père sans passer par moi. Parce que je suis le chemin obligé. Et c'est ça qui fait le montrer lumière. Voilà comment je suis. Mon apparence, je suis comme ça. Fais effort pour capable sortir côté où il est là. Dans ça il est là. Dans ça il est là, c'est où pour être menacé. Oui. Jésus a prédit, mais faut faire effort pour sortir. Faut souvent nous toujours préciter prière. Mon Dieu, moi décidé avec conviction, mais on pèse gros pousse parce qu'on n'ont pas quitter côté où il est vrai. Ou pas dire avec toute confiance ou pas dire avec toute assurance. Il est bon que nous soyons ici. Il est heureux que nous soyons ici. Mais est-ce que un jour, nous pas capables de dire ça à toute conviction? Il est heureux que nous soyons ici, à tes côtés, Seigneur. Et c'est un bagaille. Moi, toujours dit, moi-même, c'est un bagaille, m'a toujours demandé, mon Dieu, à chaque jour dans la prière. Si mourir, on mon n'a pas besoin à péter crier comme on dit ça. Si mourir qui compte pour aller, soit on aller dans l'enfer ou bien aller dans le paradis. Est-ce qu'on travaille pour aller dans le paradis? On pas aller dans le paradis. Si travaille pour aller dans l'enfer, on pas aller dans l'enfer. Et c'est ça Jésus confirme, monsieur yo. Voilà ce qui vous attend si vous faites ce que je vous demande. Ce que je vous demande, ce que je vous commande. Jésus, commandez-nous pour nous capables d'aimer. Aimer mon Dieu avec tout cœur nous, avec toute âme nous, avec toute force nous, avec tout courage nous. Et c'est ça qui fait voir manifestation trinitaire. Bon Dieu, Papa, encore parler. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Ça le dit ou là c'est la vérité, puisqu'il est la vérité. Est-ce que tu l'écoutes? Le chemin qui mène vers la vie, eh bien c'est faire la volonté de Dieu. Fais bon Dieu confiance, marcher sur ses voies et tu trouveras le bonheur. C'est bonheur ça, lui montrer nous dans la transfiguration ça.
Ce désir ardent, ça, l'imander pour le capable gagner, le désir de Dieu, d'avoir cette sagesse dans notre vie. Parce que Jésus est la sagesse éternelle et incarnée que nous devons garder dans nos cœurs et que nous devons en quelque sorte marcher avec lui. Messieurs, t'es saisi parce que t'es une belle bagaille. N'a saisi puis plus toujours pour le royaume. Ce n'est pas même le royaume, monsieur, t'es ouais. Il y a une porte ciel là seulement qui t'est l'ouvri. Seulement porte là qui l'ouvri. Qui reflète rayon sous petite là. Et c'est comme ça, bon Dieu t'a remis, que nous chaque, nous toutes, pour nous capables de vivre blanc tant que la neige. Pour nous capables de changer attitude. Pour entrer dans le lieu saint ça, faut que ou changer attitude. Faut quitter ça aurait les hypocrisies. Faut quitter ça aurait les palais malmoun. Faut quitter ça aurait les femmes souffrir. Faut quitter ça aurait les divisions. Faut quitter ça aurait les raissances. Pour être frère de Jésus, il faut pratiquer l'amour. Pour être frère de Jésus, il faut pratiquer de marcher selon la volonté de Dieu. Sinon, tu n'es pas son frère. Pas de chemin, pas bois pour aller dans le royaume de Dieu. Il y a un seul chemin. Soit ou c'est pas ça. Pas qu'on est bon Dieu pour accueillir au monde pour venir faire des problèmes dans le ciel là du tout. Pas qu'il y a pas comme ça. On ne peut pas venir faire tripotage dans le ciel là. On ne peut pas faire comme ça. Dans le ciel là, pas un tripotage. Dans le ciel là, l'attente des purs et saints. Dégagez sous terre pour capable travail pureté ça, pour capable travail sainteté ça, pour capable arriver dans le royaume là. Jésus la ville, c'était un modèle, c'était un exemple pour nous-mêmes. Et c'est ça que fait, il était changé apparence, il était transfiguré, il montrait nos beautés ça capte nous. Nous-mêmes à notre tour, nous capables et bien changer tout. Pour nous capables de gagner face, mon Dieu, parce que mon Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Jésus nous rappelle qui nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu, dans la création du monde, il a créé l'homme avec ses deux mains. Bon Dieu, pas créer nous avec une parole, mais il crée nous avec deux mains. Premier, ça le fait, il prend masse terre, il mastique avec salive. Li. Nous sommes l'ADN de Dieu. Nous, pas n'importe qui. Et c'est ça que fait le pavé perdu, nous. Nous gagnons un point digital, bon Dieu, dans nous-mêmes, parce que nous mastiquons nous avec Méli. Nous avons l'empointe de Dieu. Nous portons en nous un point de bon Dieu. Crachez-le, s'il y a ADN, nous portons ADN dans le sang, nous, dans nous-mêmes. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous ne sommes pas n'importe qui, mes frères, mes sœurs. Non seulement nous gagnons pointe dans nous-mêmes, nous gagnons ADN dans nous-mêmes, mais nous mettons souffle dans nous-mêmes. Et c'est ça qui fait nous sembler avec bon Dieu. Nous sommes supérieurs aux anges. Nous ne sommes pas n'importe qui. Allons, faisons route avec Jésus pour héritier notre héritage. Parce que l'héritage est là. Pas question, les gens après aller dans le carrefour, à l'aéroport, ou bien là en bas de la ville, pour courir, pour qu'ils te joignent, mon camionnette pour monter, sous pas jouer une place. Ta place est là. Pour l'avoir, il faut faire ce sacrifice. Aimer Dieu,
aimer ton prochain comme toi-même. Et tu verras, tu auras la vie qui mène vers le royaume infini de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.